Voilà, messieurs, donc j'ai reçu votre paquet aujourd'hui. Donc j'ai deux boîtiers. J'avais trouvé deux boîtiers là-dedans. Donc le une, c'est écrit nouveau envoyé. Le deuxième, celui de l'ancien. Donc regardez les bouts de fil que j'avais utilisés. Donc sur le boîtier, les deux voyants sont bien allumés. D'accord. Donc la molette, il est bien sur le chiffre 10. D'accord. Alors si on le descend à 0, là il sonne, c'est normal parce qu'il est à 0. Regardez, là il fonctionne sur le même boîtier. Et maintenant, si je le débranche, ce boîtier. Bon, ce que je veux le faire, donc je débranche les fils de ce boîtier, donc je le prends sur l'autre, celui d'ancien en fait, qui est en question, comme m'avait dit qu'il ne fonctionnait pas. Voilà, celui-là c'est du nouveau qu'on vous a remplacé. Celui-là, c'est l'ancien que vous avez avant. Regardez-les. Les deux voyants sont bien allumés. Donc avec le bout de fil, donc j'ai rien fait de plus. Donc je l'ai ramené au 10 avec le bout de fil. Il est branché adaptateur. Mais j'ai un collier. Ça c'est un collier pour le chat en fait, mais il fonctionne avec la même fréquence. D'accord, c'est le même collier qui est équivalent de vous pour le chien, mais ça c'est pour le chat. Donc il était, je mets sur off, je vais l'allumer les colliers maintenant. Donc l'allumer. Vous attendez les bruits? Donc. Ça c'est l'ancien boîtier en fait, il fonctionne parfaitement, il n'y a pas de problème. Voilà messieurs, bon je l'avais testé comme il faut, donc tout fonctionne bien, donc je le retourne l'appareil aujourd'hui par le transporteur. Merci messieurs.